Pendant un entretien d'embauche, les recruteurs veulent tout savoir sur vous. C'est pour cette raison qu'ils vous posent de multiples questions. Une question revient systématiquement : pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? Cette question est redoutée par de nombreux candidats parce que si votre réponse ne correspond pas à l'attente de l'employeur, vous ne serez pas sélectionné. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo trois réponses convaincantes. Si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ?» Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voici la première réponse à la question « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» Expliquez que vous avez fait le tour de votre poste. Votre entreprise ne vous offrait aucune perspective d'évolution. Vous souhaitiez étendre vos responsabilités et mieux développer votre carrière. Vous pouvez dire « J'étais en poste depuis 3 ans dans la société X, j'avais acquis les compétences et l'expérience nécessaires pour franchir une étape dans ma carrière. J'aurais aimé me développer au sein de mon entreprise, mais il n'y avait pas de possibilité d'évoluer. Je me suis rendu compte que pour pouvoir progresser, j'étais dans l'obligation de changer d'employeur. » Et vous pouvez rajouter aussi que, si l'entreprise vous avait proposé d'évoluer, vous seriez resté. Cela prouve que vous êtes une personne fidèle. Pour la deuxième réponse, le sujet peut être sensible. Servez-vous-en uniquement si vous êtes dans ce cas de figure. Dites que vous n'étiez pas assez bien payé, c'est pour cela que vous avez souhaité changer d'emploi. Vous pouvez dire « Je n'étais pas payé à la hauteur de mon investissement au sein de l'entreprise car mes supérieurs reconnaissaient la qualité de mon travail, mais mon salaire n'avait pas évolué depuis mon arrivée, il y a 5 ans. J'ai toujours réalisé les missions que l'on m'a confiées avec succès, et mon travail n'a pas été récompensé ou revalorisé. Aujourd'hui, je me sens prêt à relever de nouveaux défis pour être mieux payé. » Ma troisième réponse à la question « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» Expliquez simplement que vous souhaitez changer de secteur d'activité. Pendant l'entretien d'embauche, vous pouvez dire « J'ai fait le tour de mon métier. Au cours des 3 années passées dans la même entreprise, j'ai pu évoluer et m'épanouir professionnellement. Mes efforts ont été récompensés et j'en suis satisfait. Aujourd'hui, j'aimerais changer de secteur d'activité et découvrir la vente, l'informatique, le travail avec les animaux, à vous de voir. C'est vrai que sur le papier je n'ai pas la connaissance du secteur, mais la vente, l'informatique, le travail avec les animaux, me passionnent depuis toujours. Je suis abonné à toutes les revues spécialisées et je suis régulièrement les évolutions de ce secteur d'activité. Comme je pense avoir les bases pour exercer cet emploi, avec la formation interne que vous proposez à vos nouveaux employés, il me faudra peu de temps pour maîtriser l'environnement, le job et ses fonctions. » Et voilà, vous connaissez désormais comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?»